en sport, se déroulait ce week-end le 3e tournoi international d'aéromodélisme en salle. Les meilleurs compétiteurs européens étaient présents au Claye-sous-Bois, l'occasion de découvrir une discipline qui mélange rigueur et originalité. Thomas Lemoulec, Florence Deschlatte. Le spectacle est pour le moins grandiose. Des avions en modèle réduit qui volent au rythme d'une musique effrénée. Mais avant d'en arriver là, ces passionnés venus des quatre coins de l'Europe ont passé des heures et des heures à construire eux-mêmes leurs machines, puis répéter inlassablement un programme imposé qu'il faut ensuite reproduire au détail près. Il faut vraiment avoir l'enchaînement des figures et chaque figure dans la tête, sinon il y a possibilité d'avoir ce qu'on appelle un coach, donc quelqu'un derrière nous qui nous donne l'ordre des figures. Mais bon, je dirais qu'en promotion, il n'y a pas trop de figures, elles sont relativement simples, c'est assez facile. Par contre, c'est vrai qu'en international, il faut une sacrée mémoire et puis une sacrée maîtrise de soi pour bien les enchaîner dans le bon sens sans se tromper. Avant de se produire, la soixantaine de concurrents se retrouvent en coulisses, dans les vestiaires aménagés en hangar pour l'occasion. Tous les avions sont pour ainsi dire stockés. Donc ça permet aux pilotes de ranger leurs avions à l'abri des pieds vengeurs. Et donc là, vous avez tout ce système pour charger nos petites batteries. Certains effectuent même quelques retouches avant d'entrer en piste, l'objectif étant de réaliser l'avion le moins lourd possible. On fait la chasse au poids, ce qui nous permet dans les figures en phase descendante de conserver une vitesse assez faible. L'une des caractéristiques de la notation, c'est d'avoir une vitesse constante dans toutes les figures. Donc à plat ou en montée, on peut gérer les gaz facilement. En descente, forcément, avec plus le poids est limité, moins on descend vite. Puis vient l'heure de passage devant le jury. Manette en main, l'ingénieur devient pilote. Tel un chef d'orchestre, il dirige son avion, lui fait faire quelques pirouettes. Impressionnante pour un public novice. Difficile d'ailleurs de déceler les fautes pour un œil non averti. Au lieu d'un néophyte, je dirais rien, parce que c'est vraiment, ça se joue sur des pouillèmes, c'est des petits points, parce que la figure est bien droite, elle est bien tournée, elle est bien dans le cadre, elle est bien symétrique. C'est très difficile de juger ce genre de choses. Le vol dure moins de 3 minutes, suffisant pour en mettre plein les yeux au jury et aux spectateurs présents.